Les Marseillais Noré et Camila sont au cœur d'une véritable polémique. En effet, ils ont récemment révélé que des membres de la famille de la candidate étaient les producteurs du rappeur Jules. Seulement, cette information a mis la puce à l'oreille des internautes, car Karim, ex-manager du chanteur, a été abattu en 2014. Karim ferait partie de la famille Tyr, connue pour son destin tragique et ses nombreux morts suite à des règlements de compte dans la cité phocéenne. La sœur de Camila est sortie de son silence afin d'apporter sa version des faits. Selon nos confrères de Pure People, elle aurait pris la parole sur Instagram en ces termes. Quelques membres de cette grande famille qu'est la nôtre sont très connus des services de police ou sont décédés suite à des règlements de compte. Toutefois, notre famille n'est absolument pas une famille de trafiquants ou de stupéfiants. Nous sommes une grande famille diversifiée, soudée et sincère. Elle précise que sa famille n'est pas un gang et que Noré n'a jamais fait de prison. De plus, elle déclare également que Camila ne s'est jamais cachée du destin qu'ont choisi quelques cousins. Ce n'est pas une famille de voyous, mais il y a des voyous dans la famille. Résumé déjà un connaisseur des quartiers nord de Marseille en 2016 dans un article publié dans l'Express. Polémique close ? Pas si sûr, car comme le rapportait le journal l'an dernier, les tirs ne sont pas vraiment détendre. Les tirs sont-ils maudits ? Qui veut les éliminer un à un ? Les policiers ont leur petite idée. Ils sont convaincus que les tirs et un autre clan, les Remadignans, se livrent une vendetta sans merci. Elle aurait déjà provoqué 22 règlements de compte depuis 2010. Malheureusement pour Camila, on ne choisit pas sa famille.